Eh bien, salut les amis, c'est Oxy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour essayer de voler un œuf de dragon de foudre dans Minecraft. Et oui, puisqu'on va continuer le mode Ice and Fire qui a eu une mise à jour en 1.16. Ça faisait un moment que je voulais la faire et que je prenais pas le temps de m'en occuper. Mais il y a un nouveau dragon qui a été rajouté dans Minecraft qui est le dragon de foudre et plein d'autres mises à jour de ouf qu'on testera au fur et à mesure des vidéos. En tout cas, aujourd'hui on va essayer de voler un œuf de dragon de foudre et d'avoir notre propre bébé de foudre. Vous allez découvrir ça dans un instant. En tout cas, avant que cette vidéo commence, je vous invite comme d'habitude à faire péter cette barre de like, à commenter et à partager la vidéo. Et bien entendu, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. En tout cas, bienvenue dans ma petite maison juste à côté d'un biome jungle. Pourquoi un biome jungle? Et bien tout simplement parce que les dragons de foudre ne spawnent que dans les biomes jungle. Donc, mesdames et messieurs, regardez-moi ça, cette petite maison que j'ai décorée. Bon, le feu, c'est un petit peu compliqué de respirer, hein, mais je vous ai fait un petit décor avec des petites armures que vous pouvez retrouver dans Ice and Fire qui sont vraiment trop stylées. Elles sont trop trop belles, ces armures. Mais bon, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, voilà l'armure que je vais porter. Mes amis, ça va être incroyable. Nous avons l'armure en acier de dragon, la Dragon Steel. Regardez-moi ça, comment c'est trop stylé. Et normalement, cette armure me permet de résister au feu. Ici, nous avons un petit coffre, on va prendre, voilà, un petit peu de bouffe et quelques petites pommes d'or. Et ici, nous avons deux, trois petites choses très intéressantes. Déjà, nous avons une épée de dragon la plus puissante, ainsi qu'une petite pioche, une pelle, un arc en os de dragon, quelques petites flèches qu'on va pouvoir mettre dans notre inventaire. Je pense que j'ai pas besoin de plus. Ici, nous avons une pixie wand qui va me permettre de me soigner. Non, pas du tout. Qui va me permettre d'attaquer à distance, en gros, les dragons, en leur faisant un petit peu de dégâts. Ici, une Myrmex Wand, donc un bâton de Myrmex qui me permet d'invoquer 5 Myrmex, donc qui sont des espèces de fourmis. Ici, nous avons le truc des oiseaux, là, j'ai oublié le nom, la Symphalis Bird Feather Bundle, qui va me permettre de tirer dans 8 directions, par exemple, là. Ah bah mince, bah je l'ai utilisé du coup. Du coup on n'en aura plus l'utilité, mais c'était stylé. Bien sûr nous avons le Dragon Command Staff qui me permet de donner des ordres à mon dragon, la Dragon Pun Flute, de la nourriture pour mon dragon, et bien sûr ici nous avons notre chère amie, la Dragon Lily. Elle est là, elle est belle, elle est incroyable. Ah oui Lily, ça fait trop plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et ça tombe bien parce qu'on va avoir besoin de toi Lily, puisque on va aller tout simplement chercher un dragon de foudre. Et je dois t'avouer que sans toi, je vais peut-être galérer un petit peu à affronter un dragon de foudre. Ah ouais, ouais, je vois que t'es au taquet, Guigui. T'as envie qu'on aille se le trouver, ce petit dragon de foudre? Ah, elle était prête à me répondre, elle a juste ouvert la bouche à feu. Elle est au taquet, Guigui. Eh ben nickel, Guigui. Hop, on va monter sur le doggy. Évite de casser ma maison, s'il te plaît. On va décoller. Allez, décolle, Guigui. Voilà. Waouh, c'est si impressionnant! C'est si impressionnant, les amis! Et donc maintenant, oh regardez ça, c'est les nouveaux oiseaux qui ont été rajoutés dans Ice and Fire aussi. Ils sont magnifiques. Ils sont trop beaux, hein, ces oiseaux. Bon, peut-être qu'on en aura un jour. En tout cas, dans l'immédiat, il faut qu'on trouve un dragon de foot. Hé! Qu'est-ce que nous avons ici? Est-ce qu'on a un dragon de foot juste à côté de chez nous? Alors, on va atterrir avec notre cher petit dragon. Hop, on va atterrir ici. Yeah! Alors, je vais lui donner un ordre et je vais lui dire. Voilà, de m'escorter, tout simplement, c'est très bien. Escorte-moi, parce que là, on va avoir des problèmes avec un méga dragon de... What? Ah, oh, je suis déjà dans sa bouche. What the fuck? What the fuck? Oh, regardez, il se fait aggro. Il se fait aggro par Lily. Merde. Oh, les gars, c'est un dragon de... Oh, on l'a éliminé si vite. Oh, Lily, t'es au top. T'es au top, Lily. Alors, je peux pas te donner d'ordre, là, parce que t'es trop haut. Oh les gars, on se met bien. Est-ce qu'on va réussir à avoir un œuf de dragon de foudre? Normalement non. Alors, on va casser ça là parce que hop, le dragon est bugué. Le dragon est bugué, mesdames et messieurs. Je répète, le dragon est bugué. Ok les amis, du coup ce dragon est complètement bugué, mais on a réussi à avoir son cœur de la viande de dragon de foudre. Honnêtement, c'est insane comment on l'a dégommé. Mais par contre, ah mais t'as tout dégommé Lily, t'as tout cassé Lily. En tout cas, du coup, on va remettre Lily dans la corne. Ah voilà, on a récupéré Lily. Donc, vous avez pu remarquer que sur ce dragon de foudre, on n'a pas looté quoi que ce soit, on n'a pas récupéré d'œufs de dragon. Pourquoi on n'a pas récupéré d'œufs de dragon? Eh bien, tout simplement, puisque pour récupérer des œufs de dragon, il nous faut des dragons de tier 5. Donc, il va falloir qu'on trouve un dragon qui habite sous terre,
un dragon de tier 5 et qu'on aille l'affronter. Autant vous dire que là, on fera pas les malins, puisque celui-là, on l'a dégommé. C'était un petit dragon de foudre de tier 1. Il faisait pas bien peur, mais maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Alors les gars, je suis en train de miner et regardez-moi ce qu'on a ici. Je crois qu'on a trouvé notre fameux dragon de foudre de tier 5, incroyable. Alors, on va se donner un petit effet. Night Vision et à l'infini. Comme ça, on va y voir un petit peu plus clair. Et regardez-moi ce monstre énorme! Le Lightning Dragon. Alors, vous voyez à peine son nom, mais ici, c'est bien marqué Lightning. Nous avons bien un dragon de foudre. Je ne sais pas trop comment m'approcher de ce mob. Là-bas, en plus, il y a plein d'autres créatures. Oh là là. Faire attention parce que si on le réveille, on est dans le caca. Enfin, ça, c'est clair et net. Il va nous dégommer si on le réveille. Hop là, je tue un petit peu toutes les créatures alentour, comme ça au moins. On est tranquille. Oh là là, ah, il y a une sorcière là-bas derrière. Faut que je fasse attention à ce que je fais. Parce que si je lui tire dessus... Ok, faut que je touche la sorcière en tirant par-dessus le dragon. Trop bas. Ah, il y a la sorcière. Ah, dommage, un peu plus à gauche. Là, yeah, on a eu la sorcière. Ok, l'araignée... Arrête. Sachez que le dragon est juste à côté de chez nous. Hop, je vais descendre, j'ai mon chemin là juste en dessous. Ok les amis, écoutez, on y est, je vais prendre une pomme en or cette fois. Et let's go. Ah, il s'est rendormi. Il s'est rendormi. Alors, on va se redonner Night Vision. Oh, par contre, il y a des mobs partout. Faut que je me fasse un chemin opti pour pouvoir y aller, parce que sinon, on va jamais s'en sortir. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais vous êtes combien de mobs là? Allez, mourrez là. Oh là, il y a même une sorcière qui a respawn encore. Ah, j'ai tué une chauve-souris sans faire exprès. Allez, meurs, toi. Toi aussi. Oh, j'ai eu le squelette. J'ai pas touché le dragon. Oh, j'ai cru qu'il avait des pops pendant un instant. Oh non, je l'ai tapé. Oh, je l'ai tapé. Oh, je l'ai tapé. Non, je peux pas remonter. Ok, c'est bon. Ok, je crois qu'il va tuer les mobs. Oh, 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 oh. Il s'approche dangereusement de moi. Le creeper, là. Il veut ma mort aussi, lui. Tiens, meurs. Ok, le dragon. Bon, écoutez, quand faut y aller, faut y aller. Aïe, aïe, ah, ah, il m'a mordu. Il m'a mordu, l'enfoiré. Aïe, aïe, lâche-moi. Oh là là, je vais m'éloigner, je vais m'éloigner. Waouh, waouh, aïe, 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 aïe. Il y a de la lave là-bas, il y a des mobs partout. Wouh, wouh, laisse-moi tranquille. J'ai tué un squelette sans faire exprès. Allez, le dragon. Oh, il est en train de remonter. Alors, attends, parce que je me fais tirer dessus partout, là. Allez, mourez les squelettes. Ah, encore une chauve-souris. C'est bon. Allez, faut lui tirer dessus. Il est en train de se barrer, il va remonter à la surface. Reviens là. Ah, il va me manger. Il va me manger pour lui, je suis qu'un fromage. Pourquoi je dis que je suis un fromage? Ah, il meurt toi aussi là. Wouah, il fait un bordel de fou. What the fuck. Meurs toi. Wouah. Oh là là, mais il est fou. Il est fou, il fait flipper ce dragon. Il est trop puissant. Oh, par contre, il y a de l'améthyste partout, les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh, l'améthyste, le diamant et tout. Mourir. Allez, l'améthyste, c'est le nouveau minerai. Allez, il a pas beaucoup de vie. On va se faire. On va la voir. Oh, oh, t'es bugué, mon grand. Oh, là, là. Ah, il remonte, hein, il remonte. Aïe, aïe, aïe. Yeah. Non, arrête. 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 Oh, il s'arrête jamais. J'ai plus qu'une pomme, les gars. Bon, on va l'utiliser. Je vais t'avoir. Oh là là. Quoi? Il est mort déjà? On l'a eu. Waouh, mais il était trop fort. Alors, normalement, là, cette fois... Yes. On va pouvoir tout récupérer sur lui. Oh yeah. Regardez-moi ça, les amis. On a deux œufs de dragon. Alors ça, c'est incroyable. Hop, les autres dragons, on va les récupérer. Sa tête, bien sûr qu'on la récupère. Ah, et puis regardons ce qu'on a dans les coffres. Oh là là, les gars, c'est insane. Non, meurs. Meurs aussi. Oh, les gars, tous ces minerais. On est devenus incroyablement riches. Toi aussi, tu meurs. Eh, cette épée est beaucoup trop puissante. Oh, les gars, c'est insane. On a les deux nouveaux œufs de dragon. Alors les amis, voilà les 4 œufs de dragon de foudre qui existent. Donc qui existent dans 4 couleurs différentes. Nous avons la violette, la bleue, la marron
et la noire, donc qui sont avec des écailles brillantes. Ces œufs valent plus cher que vous ne saurez l'espérer, ça vaut bien des milliers de diamants. Et pour le faire éclore, il faudra tout simplement le placer à l'air libre sous les nuages. Et il faudra tout simplement attendre qu'il pleuve pour le faire éclore. Mais on verra ça dans un prochain épisode où je vous présenterai mon petit dragon de foudre et on le fera éclore ensemble et grandir ensemble. En tout cas, si vous voulez voir la suite, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et comme d'habitude à faire péter cette barre de like, à commenter et à partager la vidéo et bien entendu vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Pensez à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok et ma chaîne secondaire, tout s'affiche actuellement à l'écran et dans la description. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sur ce, eh bien allez, salut à tous, c'était Oxy, salut tout le monde.